Ok. Oh, il est trop classe, mon perso. Tac, tac, tac. Donc, ouais, donc désolé, Corridor. J'aurais bien aimé te dire. Bon, après, la Black Week, hein, sera toujours très bien. Mais après, là, c'est vrai que c'est l'occasion ou jamais que la Black Week parce qu'ils sont moins chers. Globalement, écoute, hein, je pense pas qu'ils ont révolutionné. Ok, leurs boissons sont très très bien, mais on va pas se voler la face. C'est des shakers isothermes. Ce qui est bien, c'est que bah, ça sera en mode. Merde. C'est en mode. Je vais pas y arriver à parler. En mode holy, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un truc pour la poudre et tout. Ça fait rendre droguer comme ça. Et voilà, en fait. Bah attends, il y a Niben aussi. Tu les as reçus, non? Bah voilà. C'est ça, Corridor. Il y a Niben ici présent qui les a commandés. Je sais pas s'il y en a d'autres. Si tu veux, si t'as des questions ou autre, voilà. Et salut Cola. Salut, salut. Ce soir, on va faire de la muta, le chat. On va essayer, on va refermer un peu les éclats. Tu me bannes ça, s'il te plaît, Soccer. Un petit ban, s'il te plaît. Tac. Alors. Bonjour. Bonsoir, plutôt. Il est 18h. Bonsoir. Merci Socure. Mais ouais, il y a des belles choses. J'ai hâte de vous présenter la boutique. Donc je rappelle, demain 20h, présentation de la boutique. Bien comme il faut, il y aura des jeux, il y aura pas mal de choses. Voilà. Attendez, hop. J'ai eu une supplémentaire. Boutique. Attendez deux secondes. Ok, voilà, ensuite, l'eau sort sur le frigo simplement. Alors pour le coup moi j'aime bien les glaçons, après j'aime bien boire très très frais. Je suis encore au début, yes, yes. Il y en a dans toutes les villes, Caricio. Voilà, pas comme l'a dit Niben, il y en a dans toutes les villes, par contre ils sont pas au même niveau. Tu peux voir ça en fait en cliquant sur la ville. Alors vous pouvez déjà convertir vos points, pour le coup c'est pas perdu, hein, mais il n'y a pas encore quoi que ce soit à acheter dans la boutique, ça sera demain. Mais effectivement, rassure-toi, j'attends l'une, c'est pas perdu. Tout est, qu'est-ce que je voulais dire, tout est maintenant mis sur le site. Alors, tac. Hop, voilà. En plus, j'ai refait un ratio de 1-1, comme ça, vous n'êtes pas perdu. C'est tout bon, et puis voilà, quoi. Ok, attendez, qu'est-ce qu'on va faire de beau, là? Salut, salut. Ah, ça, vous partez pour quoi, off, légende? Mais demain, je serai pas là. Alors, t'inquiète pas, ça sera là. Demain, je la présente, mais... c'est dommage, t'auras le replay, mais les jeux continueront. Là, en fait, j'ai eu plein d'idées, les gars. J'ai eu plein d'idées. Une belle grosse séance de brainstorming. Et on va profiter de mon bivouac. C'est une planche, merci pour l'info. C'est normal. Le bivouac va évoluer, t'auras des quêtes pour le faire évoluer. Et après, t'as, en gros, les possibilités du bivouac vont évoluer à travers les quêtes. Le visuel du bivouac évolue un petit peu aussi à travers les quêtes. Mais ensuite, je vous fais plaisir. Salut, Trail. Il a pas dormi tellement il a eu d'idées. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui pour le coup. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui, mais là je suis tout excité. Il y a eu plein de belles choses qui sont passées IRL, plutôt cool vis-à-vis de l'appart et tout, vis-à-vis de mes idées. Enfin, c'est une bien belle journée. Icar Adaptech qui m'intéresse. Tu l'auras, il sera pas mis avant mercredi dans la boutique. Donc si t'es là mercredi, il sera pas mis avant mercredi dans la boutique. Donc voilà, si on peut le mettre dans la boutique. Alors attention, ce que je veux dire par là, c'est que. Question, j'ai un. Ok. Cela serait un. Créer un cercle vertueux. Ok. Salut chômeur. Alors oui, effectivement. Alors en gros, attends, je peux déjà montrer effectivement. Dans la boutique, il y a déjà le jeu Darktide. Vous avez déjà les points. Oui, mais logiquement, vous pouvez pas cliquer dessus. En théorie. Ou alors, si vous pouvez cliquer, vous n'aurez pas de clé. Attendez. Faut que je l'enlève dans ce cas-là. Deux secondes. Attendez. Ouais, parce que ce sont des. Supprimer la clé. Voilà. C'était des trucs de test. C'était les fausses clés. Hein. Ce que vous alliez avoir à la place d'une clé, c'était clé. Hein. Vous auriez été content. Voilà, c'est bon. Là, logiquement, il doit être marqué en épuisé. Hein. Salut, Ecote. Trail, Muta? Muta ou autre chose, d'ailleurs, moi j'aimerais bien faire un petit cœur de tempête pour commencer, mais j'aimerais bien tester mon build, là, il était trop bien.
Des gens pour cœur de tempête. Satan n'a pas le temps, mais moi je suis chaud, mec. Je suis chaud, t'as pas idée. Je vais aller faire à manger. Et en parlant de ça, nouvelle commande de Oli. Muta vers 21h. Ok, vendu. Vendu, vendu, vendu. Bonsoir, Narsgaff. Ah, mais je suis chaud, try, t'as pas idée. En plus, je me suis enfin occupé du Ledger. Je suis ravi. Je suis ravi de tout. Je suis ravi de tout. Attends, hop, un tank pour cœur de tempête, surtout. Moi, j'ai envie de tester mon build, là. Attends. Le build qui a fait de moi le premier DPS en invasion. J'ai 3 de refaire l'invasion, d'ailleurs. Attendez, est-ce qu'il y a des invasions ce soir? On est 4 jours. On est lundi? On est lundi. Il y a une invasion à 19h30. Oh. Île des lames. Oh. Il y a du monde inscrit? Oui. Ok. Vas-y, je tente. Alors, peut-être pas alors. Dans Tempête, c'était un peu short. C'est vrai que c'est dans... Bon, bah, ça peut-être pas ça. Désolé, ces filles. S'il y a une invasion dans ce cas-là, on fera ça plus tard. Je vais attendre pour mes quêtes de la montagne du Haut-Chaos que je les ferai avec Nat. Mais là, ouais, il y a une invasion, donc il y a... Désolé, hein, ces filles. Je quitte le groupe. Des bisous. Hop. Guerre à venir, c'est ça. Donc, invasion ce soir. 48 minutes, Tempête. Il n'y a plus qu'à monter le minage, du coup. Bah, en vrai, ouais. Tu déconnes, mais en vrai, oui. Ça serait pas mal pour les mutas, aussi dit, s'il manque un tank. Un heal et 2 DPS pour Dynasty. Ah tiens, Nat, au cas où, ça cherche un tank pour Dynasty, tiens. Ça, Dynasty, ça peut être rapide. Si t'es chaude pour le tanker, je suis chaud pour le healer. En vrai, en 45 minutes, c'est bouclé, hein, je pense. Ouais. Je sais que tu m'entends sur le live, Nat. Tu me dis, ah, si t'as pas envie, pas de soucis. Je sais que tu fais des trucs, hein, mais c'est toujours bien, petit Dynasty, en compagnie. Je sens qu'elle répond. Bonsoir. Tu m'entends, Nat? Elle répond pas. L'explication concernant la défense. Salut, elle veut lire. Alors. Bon appétit, Spokix, à plus tard. Elle dit bien, on sait. Ça marche. Eh ben écoute, bienvenue à toi. Je suis occupé. Ok, donc pas de dynastie pour l'intermaniaque. Bon bah rip. Ah, attends, les compagnies complètes. Oh, ça a pas duré longtemps ça. Oui, voilà. Hop. Au revoir. Écoute, je te le dis directement, hein. Est-ce que tu comptes rejouer au jeu? Je dis pas ça méchamment, c'est juste que quand je vois des gens qui sont pas connectés généralement depuis plus de 10 jours alors que le jeu vient de se lancer, c'est qu'ils ont pas accroché plus que ça. Y a aucun mal avec ça. Mais voilà. Là, le but du jeu étant quand même d'avoir des gens actifs. Casu, bienvenue. Mais il y a casu et casu. Une fois tous les 15 jours, on n'est pas un casu. C'est quelqu'un qui n'est pas spécialement motivé. Ou alors qui a eu des priorités. Il n'y a aucun souci avec ça, mais faut le dire. Je te permets pas de demander, quoi, parce que je t'ai dit bonjour un peu plus haut. Hop, bienvenue. Bah en fait dans tous les cas tu pourras pas Carucio, c'est ça qui est bien, c'est que il faut attendre un peu avant de rejoindre une compagnie, il faut que tu aies choisi une faction. Donc ça te laissera le temps de voir en temps et en heure, justement t'apprécies le jeu, parce que ça sera après le niveau 20, 25 et tout. Donc ça, t'auras déjà quelques heures de jeu tu vois, et ça permettra de juger si t'as envie de rester ou pas dessus. Tu peux pas rejoindre une compagnie directement, c'est ça qui est cool, c'est une bonne chose je trouve pour le coup. Ok, donc j'ai l'invasion résultat ce soir. On va essayer de refaire bosser le build. Invasion à l'île des lames. Impeccable. T'as bien raison. Alors, faut savoir que le jeu, initialement, était considéré comme un walking simulator. Ce n'est pas du tout un troll, parce qu'il y avait beaucoup moins de manières de se téléporter entre les différentes zones, et donc il fallait parcourir parfois beaucoup de chemin à pied, mais sur le chemin, t'avais tellement de ressources que c'était pas mal. C'est ça, on se balade jamais trop dans le jeu. Il n'y a pas de... voilà, t'as toujours des trucs à faire. En parlant de balade... Je réfléchis un peu. Quelle activité? Attends, j'ai pas mal de choix possibles. Oh, bah, reprendre les quêtes. J'ai encore de nouvelles quêtes à faire, nouvelle Corse. C'est parti. Je suis surexcité. Je vous jure, je suis surexcité. C'est trop bien. Hop là. Faut écureuil. C'est bien écouté, écureuil. J'en avais vu à New York.
Ok. Alors, on va aller voir la nouvelle quête secondaire, là, de la nouvelle Corse. Un des trucs que j'ai envie de faire aussi, c'est la quête principale, donc, de Falaise du Roi. Pour découvrir un peu le lore là-bas. Et, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, puis de toute façon, après, on fera toutes les quêtes hein, au fur et à mesure. Ah oui, Montagne du Haut Chaos et la Grande Faille. Je pense que je ferai ça 100% avec Natnat, en live, pour le coup. Enfin, moi, je serai en live. Elle fera bien ce qu'elle veut. J'ai fait pour l'instant aucune quête de Montagne du Haut Chaos. Et c'est vrai que ça fait partie des endroits durs, un peu comme Sulfur. Résultat, c'est pas plus mal d'être accompagné, pour elle comme pour moi, pour le coup. C'est Kidbo qui a acheté, d'ailleurs, je suis curieux, la petite commande d'Oli, là, tout à l'heure. C'était... Parce que, en fait, je crois que quand il y a les alertes, c'est toujours, pour l'instant, que les nouveaux clients. D'ailleurs, je leur ai demandé à ce que ce soit tous les clients pour qu'il y ait les alertes, quitte à réduire un peu l'alerte. Parce que je trouve ça cool, en fait. Ça crée un peu un cercle vertueux de communication. C'est ce que j'essaie de créer. Parce que vous vous rappelez, il y a un certain temps, vis-à-vis notamment de la boutique, j'ai essayé de trouver des manières de communiquer sur Twitch. Et à part le dire sur Discord, à part le dire en live, je ne trouvais pas d'autre manière. Et pourtant, même en le répétant quotidiennement et tout, il y avait toujours des gens qui découvraient ça et tout. Et j'étais saoulé, mais pas saoulé contre la communauté. J'étais saoulé en fait en mode, les gens, ils ont tout intérêt à connaître le truc. Donc s'ils connaissent toujours pas, c'est que les timings et tout, ça marche pas forcément très bien. Résultat, j'ai trouvé une bonne idée pour la boutique. Et pour le holly, et donc on va mettre ça en place. Vous verrez ça en temps et en heure. Alors la boutique elle sera en ligne et l'idée de com arrive après. Et merci Batatou, ouais, je suis assez content. C'est loin d'être fini les gars. Parce que là j'ai pu juste commencer à mettre un peu de décola, les petites pop. Là ce que ça c'est les mangas One Piece avec les pop One Piece devant. Ça commence à prendre tournure, c'est propre et tout. Work in progress. Mais c'est mieux, c'est déjà beaucoup mieux, je suis assez content. Je précise, c'est un holy iced tea, hein, pas un holy energy. Hein. Je suis juste dynamique naturellement là. Je suis très content. Je ne vais pas croire que nous n'en aurons jamais fini. Une amie fidèle du nom de Lysandra m'a contacté. Elle a appris que d'étranges séismes secouent le désert. Apophis ? Par Ra, j'espère que non. J'aimerais que vous meniez votre enquête. Nous ignorons tout de ce qu'Artemis a initié avec son coup d'éclat dans la pyramide. Cela pourrait être lié. Bonsoir Allemand. Alors pour le coup, pour la boutique, on refera justement une vidéo demain. Il y aura une annonce demain à 20h pour en parler plus en détail. Et ça sera l'occasion de faire une petite vidéo récapitulative. Il existe pire que les primordiaux ? Les anciens ont créé bien des horreurs par le passé. À mon arrivée, les légendes concernant des êtres monstrueux qui auraient autrefois menacé l'existence même d'Eternum étaient déjà légion. C'est une pomme de pin, mais payenne. En voilà une bonne nouvelle. Allez parler à Lysandra. Voyez ce qu'elle sait. S'il s'agit d'une autre arme d'Artemis, mieux vaut le découvrir et trouver comment la contrer. Ok. Ouais, ça rend très très bien. Et encore, là, c'est en train de peler, donc on dirait que ça passe. Mais oui, sinon, elle rend... C'est rigolo, ça me fait une bande de poils. Comme bah, je me suis rasé forcément pour le tatouage. Ouais, ça rend très bien, je suis ravi. Ce qui est création pour l'instant se passe... impeccablement, je commence tout juste à peler. Voilà. Et je mets bien ma... C'est toujours payenne, c'est pas du pain. Je fais toujours ma petite crème cicatrisante. Je suis sage. Tout se passe bien. Bonjour, Wakul. Ouais, y a pas de soucis, t'inquiète. Après, peut-être que des pommes et du pain, c'est bon ensemble. Je sais pas. Jamais goûté. Oh, pas chaud, d'ailleurs. Compliqué les mutas le lundi soir. Bah, on va en faire d'ailleurs tout à l'heure. À 21h d'ailleurs. Pour ceux qui veulent venir en muta qui ont le lit level, alors je pense pas qu'on fera. Ah, on testera muta 6 histoire d'aller se faire souiller un peu la gueule. Parce que imaginez, on l'a quand même fait, j'en suis ravi. Muta 5. Hein. Mais imaginez que muta 6, on pourra faire muta 6. Mais pour déverrouiller muta 7, il faut maintenant faire des rangs or. Ça c'est nouveau et c'est génial d'ailleurs. C'est une très très bonne chose. Là, ce qui serait cool en vrai, c'est qu'on les valide en gold 3, 4, 5. Ça serait quand même pas mal. Voilà, donc avec les motivés, on ira tout à l'heure à 21h faire quelques mutations. Et ça sera cool. Oh là, je t'avoue que la compagnie, on est bien. On est 26 de connecté. Bah, ce qui est bien, tu vois, c'est que, en bien comme en mal, les compagnies de streamers, étant donné que je sens, voilà, je suis à l'origine de la compagnie, excusez-moi, eh bien, ça, tant que, techniquement, ça parle muta. Yes, Imra, c'était chaud à partir de 21h. Moi, en vrai, avant ça,
On va voir l'invasion, mais en vrai, entre l'invasion et les mutages, je serais chaud pour faire un petit cœur de tempête, donc à 20h-20h05. J'aimerais bien un tank, s'il pourrait y avoir un tank, ça serait cool, comme ça j'aimerais bien prendre mon build DPS là, qui, bah, on a vu, marche très très bien. Ça me ferait plaisir, après voilà, s'il n'y a pas de tank, je tankerai, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que j'aime bien alterner quoi. Donc s'il y a un tank qui vient à cœur de tempête vers 20h-20h15, ça serait avec plaisir. On ferait donc comme ça, moi je fais l'invasion, cœur de tempête, mutation, une bien belle soirée, et des petites quêtes là en attendant. 443 dex, incroyable. Chaud de ouf, je suis tranquille jusqu'à demain après-midi. Magnifique. Demain d'ailleurs, j'ai un rendez-vous à 11h. Je vais avoir encore 2-3 trucs IRL à faire, justement, encore du rangement. Maintenant, on a les meubles et tout, on commence à ranger. Enfin, comme vous pouvez le voir, ça avance des joues. D'ailleurs, la déco va progresser également devant. Enfin, derrière moi. Il va y avoir des nouveautés côté déco. Et voilà. Et voilà, voilà. Je ne vois que des mercenaires comme vous à croire que le désert est réveillé. Sympa. Prenez une carte et rendez-vous utile. Vous entendez bien ? Plutôt oui, pourquoi ? Vous voyez la pyramide ? Rien ne s'y était passé depuis une éternité. Mais des secousses se produisent sous sa base depuis quelques semaines et font du sable un piège mortel. Voilà qui est troublant. Les anciens protègent bien leur trésor. Pourquoi se priveraient-ils de nous engloutir de la sorte ? Je vous paierai volontiers si vous trouvez la cause de ces séismes. Si la terre doit m'avaler, j'aimerais savoir pourquoi. Compréhensible. Ok madame, aidez Lysandra dans son enquête sur les secousses. Ok. Cherchez les indices du côté ouest de la pyramide. Ouah, ça va belle ouette cette histoire. Ok. Alors attendez. Attendez. Je voulais faire un autre truc avant. Je voulais aller. On va retourner à Nouvelle-Corse. D'accord, ok. Ah oui, la quête, c'est aider Lysandra. Je vais me lancer sur le pomme chicha, j'ai jamais fumé donc je sais pas à quoi m'attendre. Alors c'est très spécial le pomme chicha. D'ailleurs ils font une grosse promo pour... Je sais pas s'il y en a qui ont aimé, moi j'ai pas trop aimé pour le coup. Mais parce que ça donne vraiment un goût fumé. Et j'aime pas fumer. Donc bah... Oh c'est beau le sable. Donc résultat c'est vrai que j'ai pas accroché. Je pense que ça a dû pas mal diviser les gens pour le coup le pomme chicha. Mais là ils font une promo de fou sur le pomme chicha. Attendez, c'est où déjà ? Voilà, c'est ça. En gros, ils le mettent à 20 balles au lieu de 27, les deux à 34, voilà. Donc ceux qui ont kiffé, c'est le moment, mais je sais pas si beaucoup de gens ont vraiment kiffé. C'est très spécial. Pour le coup, le butterfly, j'en boirais pas tout le temps, mais c'est vrai qu'une fois de temps à autre, un petit coup de malabar, je trouve ça cool. Autant le chicha, je vous dis, t'as vraiment la langue, genre t'as un goût de fumée. C'est très réussi. Mais bon, bah moi j'aime pas fumer, donc ça m'emmerde un peu, tu vois. C'est... Résultat, c'est pas trop compatible avec mon plaisir, quoi. C'est pas trop le... Voilà. C'est pas pour moi, quoi. Alors, hop. Ok, on est ici, donc je vais me TP à Omenil. Bonsoir, Zelios. Tac, tac, tac. Attendez, ça, c'est quoi, ça? Hop, hop. Demain, je reçois la télé, le canapé. Oh, ça va être trop bien. Et c'est mercredi, le Saint-Système. Bonsoir, Aguia. Encore d'autres trucs ouverts. Non, c'est bon. Hop. Bonsoir, Xelanos. Xelanos, 21h, Muta, si t'es dispo ce soir. En faisant environ 21h. Et si t'es chaud, petit cœur de tempête, aux alentours de 20h15. Spoiler alert, je recherche avant tout un tank. Alors, t'es bienvenu, hein, mais si tu veux tanker, on peut s'amuser un peu. Ah, tout est le volière, amuse-toi bien. J'arrive au moment où tu donnes un retour sur le nouveau goût de chez Oli. Alors, t'avais pas entendu ? Alors, au cas où la Black Week de Oli se finit justement, se finit après-demain, se finit le 30, inclus, je crois. Et donc, sur les deux nouveaux goûts, le Butterfly, j'ai trouvé ça très fun en mode, c'est un malabar, c'est impressionnant. Je te dis, c'est vraiment en mode, tu... pas du tout, Caruccio, je te réponds après, mais pas du tout. Au contraire, c'est ça qui est génial dans New World. C'est vraiment un retour en arrière. Et double apple chicha, donc t'as un goût pomme d'abord, et ensuite t'as vraiment un goût de fumée qui reste sur la langue. Donc pour ceux qui aiment ça, c'est génial, et pour ceux qui aiment pas ça comme moi, bah ça passe beaucoup moins bien. Moi j'aime pas la fumée, donc j'avais vraiment l'impression d'avoir de la fumée sur la langue. Très étrange. Mais représentatif quoi, c'est de la pomme et de la chicha. Voilà. Donc à toi de voir. Et donc la Black Week se finit après-demain, si je dis pas de bêtises.
Alors, les tanks, ça se joue uniquement épée bouclée sur ce jeu. Pas du tout, Caruccio. C'est une des forces de New World. 100% des armes corps à corps peuvent tanker. Épée bouclier, rapière, hachette. Tiens, d'ailleurs, Secure, tu es là ou pas? On va faire les vidéos tuto. On va faire les vidéos tuto, il est temps. It is time. Parce que c'est des questions qui reviennent très souvent. On va en faire quelques-unes ce soir. Ok. Fumée, genre Adam fumée. Non, la fumée. Genre, la fumée de chicha. Une fumée. T'as vraiment l'impression, je sais pas comment dire ça autrement, Zélios, d'avoir de la fumée sur la langue. Mais il y a des gens qui kiffent, pour ça qu'il y a des gens qui fument de la chicha, tu vois. Ben, ah, tu peux, j'ai déjà tanké au tromblon. J'ai fait un cœur de tempête intégral en tant que tromblon. Alors, pour le coup, oui, tu as un build Protoss ou, si tu joues à, je crois que tu joues à LoL, Kassadin. Voilà. Alors, au cas où, le Wakul, ils ont effectivement... Bah, c'est de la chicha, je sais pas comment te le dire autrement. C'est, vraiment, hein, c'est pas pour t'embêter, hein, c'est... En bien comme en mal, c'est de la chicha. Voilà. Alors, donc, Caruccio. Ok, je vais faire dans l'ordre, tac, tac, tac. Donc, Caruccio, ça va répondre, en fait, en partie, ça va être pratique. Attendez, je fais juste mes orbes de gyps. Et Secure, on va enchaîner plusieurs vidéos là. Et tu vas pouvoir créer une playlist Secure. Donc, tu vois, j'ai mis une commande pour exclamation tuto avec un S. Tu vas faire une playlist sur Ice Key Replay où on va mettre justement tous les tutos New World. D'accord? Donc, ça sera vraiment tuto New World. Et voilà. Ah, t'as testé toi le. Justement le double. Ah bah. Et est-ce que t'aimes bien la chicha de base ou fumer justement, toi et bravo. Salut Creep. C'est sûr que si t'aimes pas, je suis d'accord. Hein. Ah, ça passe pas de base. Hein. Je suis bien d'accord que ça passera pas du tout. Pas de soucis, Zélios. Ah bah, transparent hein, comme toujours. Voilà, le Butterfly, par contre, c'est vrai que c'est sympa. C'est du Malabar. Faut vraiment aimer le kiff, mais c'est du Malabar comme quand on était gamin. Je trouve ça très rigolo, pour le coup. Alors, mais le en énergie, je reste toujours sur Grenade. Hein. Je ne fume pas, j'aimerais toucher tout ça, mais... Ah bah oui, bon bah oui, clairement, ça va pas... Oui. Attends, je regarde un peu les armes. Je crois que ce qui est bas... J'ai ma hachette qui est pas loin de passer. Ouais. On va monter, voilà, j'ai monté l'anneau, et on va monter la hachette. J'ai bientôt pas mal de trucs, j'ai quasiment tout 600 en fait, bientôt en soi. Elle est où la hachette? Quelqu'un, elle est là. Bingo. Ok. Impeccable. Je prépare ça Secure là, et on va faire les petites vidéos tuto ce soir. Hop, on va acheter une cornaline. Ok, on va faire ça comme ça. T'es prêt, Secure? Let's rock. Salut, Moon. Show Moon Moon, donc on teste. C'est un test, hein. Dark Tide, mercredi. Je sais pas quelle heure sera disponible après le boulot, je suppose. Ok, let's go. On va commencer par la point d'exclamation tank. Enfin, la vidéo tank dans les tutos. Mais tu feras pas une... Oh, qu'on verra. Bonsoir, tout le monde. On va commencer une série de tutos avec l'aspect tanking de New World. Vous pourrez retrouver dans cette playlist à la suite des vidéos tout un tas de petits tutoriels de quelques secondes à quelques minutes vous présentant le jeu avec plus de détails. Le tanking. Le tanking dans New World est assez particulier dans le sens où c'est une vraie trinité, tank, heal, DPS. Et il faut comprendre que toutes les armes corps à corps, plus le tromblon, qui est une sorte de corps à corps d'ailleurs, peuvent tanker. Toutes, sans aucune exception. Il n'y a pas de notion de mieux dans New World, il y a juste une notion de différence et de quelle arme vous conviendra le plus. Évidemment, l'épée bouclier classique a deux taunts. Comment marchent les taunts? En gros, vous aurez besoin de mettre une cornaline d'aggro, c'est disponible à tous les niveaux. Vous obtenez, c'est une gemme, une pierre à tailler, puis il y a le métier terre de pierre. Vous pouvez les obtenir dans des coffres, sur des minerais, d'autres manières, ou directement à l'hôtel des ventes. Et si vous achetez une cornaline taillée, peu importe le tiers, à bas niveau, commencerait notamment par le tiers 2, vous pouvez voir en fait que les provocations sont actives, on va voir ça dans les 7, et ça augmente le niveau de menace de toutes vos attaques. Ça va donc du tiers 2 au tiers 5, quand vous montez tiers, ça génère plus d'aggro. Par contre, les compétences restent actives, ne serait-ce qu'avec le tiers 2. Si vous allez donc maintenant dans l'épée bouclier, vous pouvez voir que dans ces deux compétences, la volée de bouclier, ainsi que la détermination du défenseur, vous avez une petite phrase grise, gemme de provocation compatible. Cette capacité provoque tous les ennemis touchés dans les 8 mètres, donc ça c'est avec le CD de la détermination du défenseur, et la volée de bouclier, c'est à partir du moment en fait où je touche des mobs,
eh bien, ça les taunte. Donc en gros, là, il faut que je le touche, tandis que là, c'est vraiment un appel au mob. Et il faut savoir que toutes les armes au corps à corps ont un taunt. La rapière, c'est la riposte, qui fait donc un taunt de zone en cas de contre. La hachette, c'est la rage. En gros, ça, quand vous passez en mode rage, vous faites un taunt à 8 mètres autour de vous, en zone. La lance, c'est un taunt mono-cible, qui va en plus étourdir la cible. Ensuite, vous avez la hache double, pareil, alors qui peut taper un peu en AO. En gros, c'est votre grab qui va également taunt les cibles chopées. Le marteau d'armes, c'est le marteau sismique qui fait une AOE et qui en plus va stun. Donc il va taunt toutes les cibles touchées. L'épée longue, pareil, toujours une AOE qui va taunt tous les mobs dans cette AOE. Et enfin, le tromblon, c'est le grappin. Donc là, c'est du mono-cible et qui va vous permettre de taunt la cible touchée. Résultat, à vous de faire des combos, que ce soit en force, en dextérité et bien sûr avec pas mal de forme. Vous pouvez bien le faire aussi bien en stuff moyen que en stuff lourd, peut-être même en léger, j'ai pas encore testé. Pour ma part, je tank en moyen quand je vais jouer par exemple avec de la rapière, du tromblon, genre de choses, où je vais être un tank plutôt mobile, et je vais le faire en lourd quand j'ai vraiment besoin de résistance. Mais faut vraiment pas hésiter à voir les mobs parfois comme des gros taureaux qui vous chargent, et comme on peut dodge dans New World un peu comme dans un Dark Souls, et bien vous avez toute une belle latitude de possibilités pour tanker dans le jeu. Merci, et à bientôt pour un prochain tuto. Voilà, est-ce que ça répond à ta question, Caruccio? Je n'ai effectivement pas compté le gantelet du néant dedans, parce que ça veut pas dire que tu pourras pas tanker avec. En vrai, peut-être que tout est possible. Ça veut juste dire que l'arme n'a pas de taunt actif. Si tu mets néanmoins une gemme, une cornaline en l'occurrence, qui va gérer de l'aggro, tu généreras plus de malas que d'autres personnes, surtout si tu les PS bien. Bonsoir Zulit. L'énergie, vu que je suis grand, hein, je prends intérêt à le consommer. Ouais, ouais. Ouais, bah. Le ST, je peux confirmer. Est-ce que Caruccio, ça a bien répondu à ta question? Je vois, yes. Eh ben, je comprends bien. Point d'exclamation, tank, Caruccio. Tu vas apprécier dans ce cas-là. Je crois qu'il est toujours là, je pense. Pas de soucis, pas de soucis. Alors, tac, 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 tac. Hop, ok. On va faire la commande sur le poids. Alors ça, c'est pour la sommation poulet, mais c'est autre chose. Ok, on va faire la petite... tu me dis ce cure quand t'es prêt. On fait la prochaine, là, qui va être... Putain. Ah, ok, pour le petit tuto sur le poids. Ouf. Tac, tac, tac. Parce que oh, combien de personnes n'ont jamais lu ce truc-là et découvrent, en fait, la fonctionnalité du poids, qui est pourtant fort, fort utile. Ok. Attends, j'ai créé un truc tout à l'heure. Une hachette. Je dois avoir une hachette toute nue, là. Elle est là. Tourment des dévoyés, force forme, seulement... Elle est pas nulle du tout. Pas nulle du tout, cette hachette. Après, la foudre. Les dévoyés, ils sont sensibles à la foudre? Non, c'est les... Non, pas spécialement. Dévoyés, c'est la nature, je crois. De tête, c'est la nature. Ok. Alors, c'est parti pour le poids.